إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يَا أَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب Nous allons faire, Inch'Allah ou Ta'ala, avant de commencer le sujet que nous avons choisi pour notre cours, notre série de cours. Nous allons d'abord faire une introduction sur un sujet qui occupe beaucoup les gens ces derniers temps, qui occupe énormément les esprits. C'est le sujet du virus, du coronavirus. Nous avons donc déjà traité ce sujet dans une vidéo qui se trouve sur notre chaîne YouTube où nous avons expliqué les points principaux concernant ce virus, comme le comportement du croyant face à cette épreuve, sa récompense, les causes, les précautions à prendre. Donc pour celui qui veut un petit détail court résumé. En ce qui concerne les points principaux concernant euh, le virus Corona, il peut retourner à la vidéo que nous avons faite sur notre chaîne YouTube. Mais ici, nous allons plus traiter... Un point mais il y a un point très important concernant cette épreuve que nous n'avons pas traité dans la vidéo et que nous allons auquel nous allons faire prêter attention ici donc mais il y a un point très important concernant cette épreuve ce virus et qui est lié directement au sujet de notre rappel ici à notre cours ce point important, c'est que au-delà de la contagion physique du virus, il y a également la contagion psychologique qui malheureusement fait aussi des, des dégâts. car la contamination psychologique de l'esprit est très dangereuse très 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 dangereuse il y a donc une épidémie de psychose qui s'est installée dans les esprits ils sont donc en train de prendre nos esprits en otage les alliés du shaitan ils sont donc en train de prendre nos esprits en otage. Celui donc qui tombe dans le piège, il n'arrivera plus ou aura du mal à se concentrer sur ce qu'il y a de plus important, le rappel d'Allah Ta'ala. Sur ce qu'il y a de plus important, le rappel d'Allah Ta'ala, et on va y venir à la suite. Son esprit sera complètement pris par l'anxiété, l'angoisse, etc. Il ne pensera qu'à cela, il gobe, écoute tout ce qu'il entend comme information. Alors qu'il est connu que les savants disent on ne doit pas écouter toutes les informations que l'on entend, plus particulièrement les médias. Car ils sont plus connus comme des gens qui donnent de fausses informations que comme des gens de confiance. Et Allah nous dit, le Quran, Ô vous qui avez cru. Ya amanu. Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair. C'est donc Allah Ta'ala qui nous dit dans le Coran de ne pas croire tout et n'importe quoi. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu Naram, ô vous qui avez cru si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair. De crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens Nous constatons à quel point certaines personnes ont été affectées. Certaines personnes ont été affectées psychologiquement. Exemple, il y a des gens qui sont persuadés d'être atteints par le virus, d'avoir le virus, alors que ce n'est pas le cas. D'autres qui sont morts de peur hein, par l'impact psychologique que cause ce virus. Donc ne pas sous-estimer le pouvoir de l'esprit sur ces choses. Et comme exemple et preuve à cela, nous avons un frère qui ces derniers jours est tombé malade. Les gens lui ont dit, tu dois avoir le virus. Comme il fait de l'asthme et de l'allergie, il a paniqué. Il a eu de la fièvre, une poussée de fièvre, etc. Certains symptômes, du mal à respirer, dû à l'asthme, à l'allergie. Il a donc terminé à l'hôpital. Ensuite, le médecin lui a dit, vous n'avez pas le, les symptômes, monsieur, vous n'avez pas les symptômes du virus. Mais vous savez, on a des centaines de patients qui viennent en pensant avoir le virus. Et d'autres qui sont morts de peur. Donc, tout cela pour vous dire qu'il ne faut pas... tomber dans la psychose, car parce que cela peut provoquer des choses dangereuses. <coughs> car cela est voulu et cela arrange bien les, les alliés du shaitan. Lorsque le musulman se détourne du rappel d'Allah, cela arrange les alliés du shaitan. Alors, quel est le lien ici avec le sujet que nous avons choisi pour ce cours Le lien, c'est que le croyant ne doit surtout pas se laisser distraire. Dans toutes ses adorations. Au contraire, il doit encore plus, il doit adorer Allah Ta'ala, encore plus, il doit se consacrer à l'étude de la science qui est une des meilleures, voire la meilleure, des adorations surérogatoires. Il doit occuper son esprit par le rappel d'Allah. Et c'est comme cela que les gens de science sont éduqués et éduquent les autres. Cela est très important de ne pas se faire détourner du rappel d'Allah. Quand tout est fait pour... Quand tout est fait pour te détourner, il est important de ne pas te laisser distraire car la priorité c'est de rester dans le rappel d'Allah plutôt que de se laisser détourner distraire à spéculer à répéter à avaler tout ce qui tout ce que l'on entend c'est-à-dire tout ce qui ronge l'esprit qui occupe l'esprit qui détourne l'esprit du Rappel, l'invocation, l'évocation d'Allah L'important c'est de rester dans le rappel d'Allah Ta'ala Comme le prophète Ali nous a fait prêter attention, nous a mis en garde sur cela Ou le messager d'Allah Ali as-salem nous dit dans un hadith Authentifié par Cheikh al-Albani Le prophète sallallahu alayhi wa a dit, ce bas-monde ainsi que tout ce qu'il contient est maudit. Sauf le Vikrullah. Ce qui s'y rattache, donc l'invocation, le rappel d'Allah au ce qui s'y rattache est la science utile pour celui qui l'apprend et celui qui l'enseigne. Voilà par quoi nous devons être, notre esprit doit être occupé. Ça, c'est ce que nous a montré, incité, à quoi nous a incité. Le prophète, Ali salatu wassalam, le plus important, le rappel d'Allah ta'ala, l'invocation, l'évocation d'Allah ta'ala. Et aujourd'hui, avec cette épreuve qui frappe le monde entier, que ce soit les musulmans ou autres, Les alliés du shaitan en ont profité, ont saisi l'occasion pour venir traumatiser les esprits, occuper, distraire les esprits de ceux, de ceux qui ne sont pas fermes. Dans l'invocation, l'évocation, le rappel et le rappel d'Allah et l'apprentissage de la science. Nous allons donc donner <coughs> ici des preuves, quelques petit résumé de preuves sur l'importance de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vraiment revenir sur ce qui est le plus important et délaisser ce qui est moins important pourquoi parce que la mort physique est moins grave que la mort du cœur. طيب، Allah Ta'ala Donc comme nous avons dit en résumé parce que ça c'est un sujet qui peut, être, qui peut être traité dans un cours entier. On peut faire un cours entièrement juste sur le rappel d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nous dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent s'apaisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent, s'apaisent les cœurs Donc, tout ce qui touche, le virus, la tristesse, l'angoisse, la psychose, le remède, comme nous le dit Allah Ta'ala, puisque ces choses-là touchent le cœur. Et regardez ce que nous dit Allah Ta'ala en ce qui concerne l'apaisement, la tranquillité du cœur. Pour tranquilliser, apaiser son cœur. Allah Ta'ala nous dit ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent, s'apaisent l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillise, s'apaise les cœurs Tu veux apaiser ton cœur Le tranquilliser Ça passe par l'évocation d'Allah Ta'ala. Ça passe par le rappel d'Allah Ta'ala. Occupe-toi par le rappel, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, Allah ta'ala nous dit, fi il ô vous qui avez cru, ô oh, vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Allah ta'ala nous dit également. Ceux et celles qui évoquent beaucoup Allah, Allah leur a réservé un pardon et une énorme récompense. Allah nous dit En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur, leur, sur le côté, évoquent Allah. Allah nous dit quand vous avez accompli la salat, invoquez Allah debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salat normalement, car la salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez dans un autre verset. Les savants nous disent l'impact du rappel d'Allah est prodigieux. Dans la protection contre les turpitudes, son influence est d'autant plus grande que celle de la salat. L'abandon de l'invocation d'Allah rend le musulman à la merci des suggestions sataniques. Plus grave encore, il conduit à l'hypocrisie. Nous allons répéter Inshallah car il y a une phrase ici qui éclaircit le sens de tout ce que nous avons dit précédemment. Juste en une phrase. L'éloquence des savants également est prodigieuse. L'abandon de l'invocation d'Allah rend le musulman à la merci des suggestions sataniques. Ça veut dire que lorsque la personne est distraite, occupée dans la psychose, exemple de ce virus par exemple, Elle s'éloigne de l'invocation d'Allah ou ta'ala, plus particulièrement et en général, elle va s'éloigner du rappel d'Allah ou Le rappel d'Allah c'est vaste. L'invocation, l'évocation, la recherche de la science, les adorations, elle va s'éloigner de tout ça et elle va être à la merci des suggestions sataniques al-wasawis al-wasawis hein et à ce sujet Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et quiconque s'écarte du rappel du tout miséri miséricordieux nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable Pour ce qui est des hadiths il y a également des hadiths nous mentionnant l'importance du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala Le messager d'Allah, salatou invoquait Allah dans tous ses états. Comme nous l'avons déjà cité, le prophète, salatou a dit « Ce bas-monde ainsi que tout ce qu'il contient est maudit, sauf le dhikr d'Allah. Ce qui s'y rattache est la science utile, pour celui qui l'apprend et celui qui l'enseigne. » Le prophète Ali a dit Allah a dit Je suis avec mon serviteur tant qu'il m'invoque et que ses lèvres bougent avec son nom, avec mon nom, pardon, mon invocation, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et les hadiths les hadiths à ce sujet, sont nombreux les hadiths au sujet de l'invocation d'Allah subhanahu wa taala sont nombreux. L'invocation d'Allah est essentielle pour la survie des cœurs. D'après Abu Musa al Ashari, le Prophète alayhi wa sallam, a dit :« Celui qui invoque Allah. Et celui qui ne l'invoque pas sont comparables aux vivants et aux morts. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit, Je suis tel que mon serviteur m'estime, et je suis avec lui s'il m'invoque. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi-même. Et s'il m'invoque dans une assemblée, je l'invoque dans une assemblée bien meilleure encore. Tout cela nous montre aussi que l'invocation abondante d'Allah, le serviteur finira par aimer son Seigneur et l'adorer comme il se doit. Et quand l'amour de son Seigneur s'incarne dans son cœur, il ne se lassera jamais de l'invoquer nuit et jour. Il ne se lassera jamais de l'invoquer nuit et jour. Donc ce point que nous venons de clarifier, ce point est très important, voire primordial. Là on parle de la la vie ou la mort du cœur. On ne parle pas de la simple mort physique. À ce propos, à ce sujet, il y a une parole, il y a une parole d'un célèbre qui dit « Ida'atul ashad duminal mot. li anna idaratul wakht taktaukhan allah wal aghira. wal mot an. anidunia Dunya ala. traduction rapprochée du sens. la perte de temps est plus grave que la mort. Parce que la perte de temps te coupe d'Allah et de l'au-delà. Tandis que la mort, elle te coupe de la vie mondaine et de ces de gens. Donc si tu perds ton temps, si nous perdons notre temps dans tout ce qui est spéculation, faire propager la panique, et tout ce qu'on a cité précédemment, c'est un virus dans le virus. pour atteindre les gens. Mais là, ce n'est pas pour atteindre le corps. Là, c'est pour atteindre le cœur. Et nous avons précédemment cité les dangers, les dangers qu'il peut y avoir, qu'il y a pour le cœur. Le cœur, il faut le remplir du rappel d'Allah Ta'ala. Le cœur, il faut le remplir de l'amour d'Allah Ta'ala. Le cœur, il faut le remplir par tout ce qui le fait vivre, pas par tout ce qui tue le cœur. Et pour celui qui veut un, un détail, un détail, sur cette question religieuse, en ce qui concerne les maladies du cœur, etc. Qu'il retourne aux ouvrages d'Ibn al-Qayyim, Rahimahullah, péché et guérison, où le mal est son remède, selon la traduction. Qu'il retourne à cet ouvrage et il aura un détail sur les maladies du cœur. Donc, comme nous l'avons mentionné dans le rappel, la vidéo que nous avons fait au sujet du coronavirus, le croyant, le croyant, il s'en remet totalement à Allah Ta'ala. Il s'en remet totalement à Allah Ta'ala. On appelle ça al-tawakkul. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut savoir que cette adoration du cœur qui est at la confiance. Cette adoration elle a deux piliers. Elle a deux piliers. Le premier pilier c'est de s'en remettre totalement à s'en remettre totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième pilier, c'est de faire les causes. Al-Asbab, de faire les causes. Donc, le musulman, le croyant, il doit être dans le juste milieu, ce qui est la voie, la voie. Des pieux prédécesseurs, d'être dans le juste milieu. Et le juste milieu, c'est de ne pas tomber dans la psychose, mais également de ne pas être négligent. Donc de ne pas faire du roulou de l'exagération, car l'exagération mène à l'égarement. comme nous l'a dit notre prophète, l'exagération mène à l'égarement. Mais ne pas faire de roulou, mais également ne pas faire de laxisme. C'est-à-dire que l'hamdulillah, je me mets au courant de ce qui se passe, voilà, il se passe ça, sans spéculation, les, les, le roulou qu'il y a dans l'exagération et... La spéculation qu'il y a dans les médias, ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais je m'informe de l'évolution, de ce qu'il faut faire, des recommandations, car on vit dans un pays. Les autorités nous donnent des recommandations pour le bien public, le bien public. Euh, commun et lorsque ça ne va pas à l'encontre de euh, la religion, de nos biens, de, nos, euh, de notre sécurité, etc., nous mettons en pratique ces choses-là. Mais nous n'entrons pas nous ne tombons pas dans, euh, dans la psychose c'est ça le juste milieu et la personne n'est pas ne tombe pas également dans le laxisme c'est à dire euh, euh, il n'est pas au courant de ce qui se passe, il prend aucune précaution euh, etc par exemple il est contaminé, euh, il va, euh, il prend aucune précaution, il va aller contaminer les autres etc etc. Le croyant, il reste dans le juste milieu. Et le juste milieu, c'est de ne pas en faire tout un plat et de se réfugier dans le rappel d'Allah Ta'ala. De se réfugier vers son Seigneur. Le sujet de nos cours... Le sujet des cours que nous allons, inshallah, dispenser, c'est le sujet du comportement du prêcheur, de l'étudiant, du croyant. du prêcheur en premier lieu, de l'étudiant en deuxième lieu, et du croyant. L'importance du comportement. L'importance du comportement. Malheureusement, aujourd'hui, lorsque on parle de comportement. Ou lorsque par exemple, nous allons, nous disons, nous allons faire un cours sur le comportement ou autre, malheureusement aujourd'hui, ce sujet est un sujet banalisé. C'est un sujet, comme le disent les savants, qui est placé en second. Alors que le bon comportement, le comportement est fondamental. C'est une question, dans la religion, qui est fondamentale et qui fait partie des choses les plus importantes. Qui fait partie des choses les plus importantes. Et regardez ce que nous disent les rulamas. Il y a des gens qui disent, pourquoi dites-vous que le comportement fait par que le prophète Ali wassalam, a été envoyé pour le bon comportement, alors que les gens disent que le prophète Ali wassalam, a été envoyé pour le tawhid. Regardez ce que répondent les savants. Le but pour lequel le prophète... Le messager d'Allah a été envoyé pour les gens, c'est l'unicité d'Allah et unifier Allah dans l'adoration. Et le prophète, le messager d'Allah également a été envoyé dans un même temps pour parfaire les, les comportements, les caractères. Alors comment on, on, on réunit entre les deux Je répète, il y a des gens qui disent comment euh, en même temps le prophète, on dit qu'il a été envoyé euh, pour le tawhid, et en même temps il a été envoyé pour parfaire les caractères. Les savants répondent, le but de l'envoi du messager, c'est de sortir les gens des ténèbres vers la lumière et de les prendre par la main pour les sauver du feu, et entrer au paradis. Et cela ne peut se concrétiser sans le bon comportement. من الظلمات إلى النور والأخذ بأيديهم للنجاة من النار ودخول الجنة وذلك لا يتحقق إلا بحسن الخلق Donc, nous avons donc délaissé le bon comportement Nous l'avons placé en second plan, ce qui a donc provoqué l'expansion, ce qui a laissé la place au mauvais comportement et à sa propagation. Donc attention, ici, on ne parle pas à l'Hitler dans l'absolu, nous parlons en général. Quand on dit mauvais comportement, il faut comprendre au sens large du terme comportement. Comme nous allons le voir avec Shir al usaimin le comportement englobe plusieurs choses. Donc l'ouvrage hein, que nous avons choisi pour ces cours, c'est euh, une risala, un petit livre de Sheikh al usaimin intitulé Makarimul Ahlak. C'est-à-dire les nobles caractères, les nobles comportements. L'expansion du mauvais comportement et sa propagation. Quand on dit mauvais comportement, il faut comprendre le comportement au sens large du terme comportement, comme nous allons le voir avec Shiralefaymin. Le comportement englobe plusieurs choses. Exemple. Ne pas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas donner le droit d'Allah, ça c'est le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, le mauvais comportement. Mais ça entre dans le comportement avec Allah ta'ala. Autre exemple, dénigrer les savants, dénigrer ses frères, les sortir du menhaj, outrepasser le droit du savant, mépriser ses frères. Cela entre également dans le comportement le mauvais comportement avec les créatures et le comportement n'est pas à prendre à la légère le comportement n'est pas à prendre à la légère puisque dû à leur comportement des peuples ont été châtiés des gens se sont égarés et autres iront en enfer etc tout ça, dû au mauvais comportement. Le prophète Ali Salatu salem nous a dit que le comportement pèsera lourd sur la balance le jour de la résurrection. Et que connaît-on d'autre qui pèsera lourd sur la balance le jour de la résurrection Le tawhid, la parole du tawhid, la ilaha. Il Également en ce qui concerne le comportement, il faut faire attention aux ambiguïtés qui tournent autour du comportement. Exemple d'ambiguïté. Personne, exemple donc, personne le fait alors je ne le fais pas. Entre parenthèses, le bon comportement. Ou tout le monde fait comme cela alors moi aussi je fais comme cela. Exemple, entre parenthèses, le mauvais comportement. Cela est une erreur, une ambiguïté. Les savants disent œuvre et ne t'occupe pas d'autrui, s'il pratique ou pas. Obéis à Allah et son prophète sans œuvrer en fonction des autres. Pour celui qui, qui, qui souhaite vraiment changer les choses, sachez que le comportement change les comportements. Je répète. Le bon comportement peut changer les comportements. En donnant, tout simplement, en donnant l'exemple aux autres. En donnant l'exemple aux autres. Alors, pourquoi insister sur cela pourquoi insister sur le comportement Alors ça tombe euh, bien, oui et non, mais on dira que ça tombe bien, c'est qu'il y a un virus encore plus grave que celui qui, euh, qui évolue. Que le virus coronavirus. Il y a un virus encore plus grave, c'est le mauvais comportement. Alors il se peut que beaucoup de gens, beaucoup d'auditeurs, auront du mal à assimiler cette phrase. Auront du mal à l'assimiler. Mais après l'éclaircissement, les cours que nous allons donner, nous allons traiter le sujet avec Sheikh al-Husaymin, rahimahullah. Et là, vous allez comprendre cette phrase, Inch'Allah ta'ala, c'est-à-dire que le mauvais comportement est un virus plus dangereux que le virus sur lequel tout le monde a peur. Enfin, tout le monde, entre parenthèses. Beaucoup de gens ont peur. Parce que lorsqu'on parle de mauvais comportement, on parle de la mort des cœurs. On parle de la mort des cœurs. Et les savants, dont Cheikh Al-Uthaymin nous dit, l'épreuve la plus grande, Cheikh Al-Uthaymin, dans son explication de Riyad al salihin il dit, la plus grande épreuve pour le musulman, ce n'est pas de perdre un enfant, ce n'est pas de perdre ses biens, son argent, ce n'est pas d'être touché par la maladie. La plus grande épreuve pour le croyant, le musulman, c'est d'être éprouvé dans sa religion. C'est d'être éprouvé. Dans sa religion. Donc, le mauvais comportement dans la religion, c'est, ça mène, à, ça mène où Ça mène à l'égarement. Ça mène à l'égarement, comme on va le voir à la suite. Ça mène à l'égarement. Et l'égarement, c'est plus grave que les maladies, les virus. Tant que tu es malade ou tant que tu es touché par une épreuve, mais que ton cœur est vivant, que tu n'es pas égaré, que tu es sur la voie droite, alors remercie ton Seigneur. Plutôt que d'être en bonne santé, d'avoir tous les biens du monde, mais d'être égaré. Voilà. Voilà en petit résumé d'où l'importance de ce sujet, le bon comportement qui est le contraire de du mauvais comportement. Parce que aujourd'hui ce virus qui tue les cœurs ou qui rend malade les cœurs malheureusement, il a pris de l'ampleur il a vraiment pris de l'ampleur au moment où des gens se permettent de prendre le menhaj salafi en otage. de prendre le menhaj salafi en otage. voilà. C'est ça le menace salafi, c'est critiquer les savants, c'est dénigrer les savants, c'est inventer des nouvelles règles, innover des nouvelles règles. Tu es avec moi, vous êtes avec, avec nous ou vous êtes contre nous, donc vous n'êtes plus salafi. Et tout ce qui s'ensuit. Ça aussi, ça peut être un cours, euh, juste un cours sur ça. On prend la voix des célèbres, on la prend en otage, on fait une nouvelle voix, on la prend en otage. Et on dit, c'est ça la voix des célèbres. Donc ça, c'est un virus, c'est une maladie, c'est un égarement. On doit donc revenir à la vraie voix, au vrai comportement. Et ça passe par où Ça passe par les prêcheurs, certains chouillures, qui ne sont pas, qui n'ont pas le comportement qu'il faut, ça passe par eux. Pourquoi Parce que ce sont eux qui éduquent les autres. Si eux ne sont pas éduqués, alors ceux qui sont en dessous, ceux qui les suivent, il rahimahullah, sauf celui à qui Allah fait miséricorde. Sinon, les gens seront également touchés par le virus. C'est pour cela que ce sujet est très important et que, inshallah nous allons le traiter. Parmi les choses dont le prophète Ali, wassalam, nous a recommandé, mais que beaucoup de musulmans négligent de nos jours, il y a le bon comportement. Pourtant, de nombreux récits prophétiques ont été rapportés concernant les mérites et la grande importance du comportement. En voici quelques-uns. Aïcha radiallahu anha a dit, rapporte que le prophète alayhi wasallam, a dit. Le croyant atteint par son bon comportement le degré de celui qui jeûne sans jamais le rompre et passe toutes ses nuits en prière sans jamais s'arrêter. Authentifié par Cheikh al-Albani. Le prophète a.s.s. également a dit J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. Également, Déclaré authentique par Sheikh Al-Albani. Le messager d'Allah a également dit Comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité. Les savants ont expliqué que cette phrase signifie que le musulman doit se comporter avec les gens comme il aimerait que les gens se comportent avec lui. Et Sheikh cours Razaq al-Badr, dans un de ses cours sur le comportement, a dit, plutôt dans un de ses cours, lorsqu'il parle des troubles, al-Fitan, a dit Une des règles fondamentales lors des fitan, lors des troubles, hein, c'est de se comporter avec les gens comme ils aimeraient comme tu aimerais qu'on se comporte avec toi. Tu n'aimerais pas qu'on te dénigre. Tu n'aimerais pas que l'on parle sur toi en mal. Etc. etc. Donc ne le fais pas aux autres. Ceci est une règle fondamentale. Le messager d'Allah a dit, Nul d'entre vous ne sera croyant tant qu'il n'aimerait pas pour son frère ce qu'il aimerait pour lui. Apporté par Bukhari et Muslim. Beaucoup de personnes se trompent en croyant que la piété consiste uniquement à acquitter le droit d'Allah et qu'elle ne, comp qu ne comprend pas le, le bon comportement avec à l'égard des gens. Ce que nous avons mentionné au début. Suite à cette mauvaise compréhension, tu peux trouver certains musulmans multiplier les actes d'adoration, les veillées nocturnes, ainsi que les jeunes surérogatoires, tout en négligeant ou en ne respectant pas les droits des autres. Beaucoup de nos frères minimisent l'importance du comportement, du bon comportement, alors que notre religion n'a cessé de recommander le bon caractère. Allah nous dit ceux qui refoulent leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Allah nous informe dans son noble Coran, dans ce noble verset, que parmi les nombreuses qualités des moutarines, des pieux, il y a le fait qu'ils refoulent leur colère et pardonnent aux gens. C'est pour cette raison qu'Allah les aime et a couvert d'éloges son messager pour son bon comportement. En effet, Allah -ta a dit Et tu es certes d'une moralité imminente. Le messager d'Allah était le plus pieux des hommes, comme le confirme la parole de la mère des croyants Aisha, anha, la véridique, fils du véridique, lorsqu'elle fut interrogée sur le comportement. De son époux, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, son comportement était le Qur'an. Son comportement était le Qur'an, authentifié par l'imam al albani rahimahullah, et d'autres. Abu Daoud al-Nasai, al Darimi, Anas ibn Malik, radiallahu Anhu, en décrivant le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit le messager d'Allah jouissait parmi les hommes de la plus haute moralité rapportée par Bukhari et Muslim. Ô noble frère, médite sur les quelques hadiths et versets que nous avons mentionné. Sors de ton insouciance, combat ton âme et multiplie les efforts afin d'améliorer ton comportement envers ton Créateur, ton épouse, tes frères, tes parents les plus âgés que toi, les plus âgés que toi, les savants, et à l'ensemble des musulmans, les savants, les savants, les savants. Le plus noble des hommes est celui doté du meilleur comportement. En effet, Allah nous dit Certes, le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Certes, le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Et à ce propos, Abu Hurrata, anhu a dit On a demandé au messager d'Allah quel est le plus noble des hommes. Il dit C'est le plus pieux d'entre eux. Les croyants ayant la foi la plus parfaite sont ceux qui possèdent le meilleur caractère. On a demandé au messager d'Allah quel est le plus noble des hommes. Il dit c'est le plus pieux d'entre eux. Dans un autre récit, Abdullah ibn Omar a rapporté que le messager d'Allah a dit Les croyants ayant la foi la plus parfaite sont ceux qui possèdent le meilleur caractère. Également, ce hadith a été euh, cité, déclaré comme Hadith Hassan, Hassan Sahih par Sheikh al Beni Allah. Dans un autre hadith rapporté par El Bukhari et Muslim, on trouve le meilleur d'entre vous est celui qui possède le meilleur comportement. Et comme nous l'avons dit précédemment, le bon comportement pèsera lourd dans la balance le jour de la résurrection. Abu Darda, anhu, rapporte que le prophète, Ali alayhi wa sallam, a dit: Rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection que sa bonne moralité et son bon caractère, le bon comportement. Déclaré authentique par Shiran al-Albani. Le bon comportement conduit à l'amour d'Allah Ta'ala. Les serviteurs les plus aimés, le prophète, alayhi wa sallam, a dit: les serviteurs les plus aimés d'Allah sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Le bon comportement est l'une des causes permettant l'obtention de l'amour du messager d'Allah. Ceux parmi vous qui seront les plus proches de moi le jour de la résurrection et que j'aime le plus sont ceux qui sont dotés des meilleurs caractères. Le bon comportement également mène au paradis. Abu A radiallahu anhu rapporte, on a dit, ô oh, Messager d'Allah, qu'est-ce qui fera entrer le plus grand nombre de gens au paradis La crainte d'Allah, Al taqwa, et le bon caractère, le bon comportement. Également, Abu a radiallahu anhu rapporte que le Messager d'Allah disait. Écoutez bien, vous ne pouvez pas donner de l'argent à tout le monde, mais montrez-leur un visage radieux et faites preuve de bonne moralité. Nous constatons malheureusement, et al esaymi va bien nous éclaircir, à la suite sur ce sujet. Donc, je répète, Abu Hararat .a. rapporte que le messager d'Allah, l'Israël Sallam, disait, vous ne pouvez pas donner d'argent à tout le monde, montrez-leur un visage radieux et faites preuve de bonne moralité. Malheureusement, ce visage radieux et cette bonne moralité, aujourd'hui, se font rares. Et plus particulièrement, se font très rares auprès de ceux qui sont censés être une référence dans le comportement. Car ce que tu n'as pas, comme nous disent les savants, tu ne peux le donner. Ce que tu n'as pas, tu ne peux le transmettre. Si tu n'as pas le bon comportement, tu ne peux le transmettre. Et malheureusement, cela est répandu aujourd'hui. Alors, c'est cela que nous allons essayer de traiter, Inch'Allah. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, nous dit L'étudiant, il a un rôle, mes frères. Il doit mettre en pratique sa science. Croyance et adoration. Également la mise en pratique de sa science dans le comportement et les œuvres. Beaucoup de gens ont des œuvres vertueuses en eux. Ils ont de la droiture, ils ont des prières. Ils ont du jeûne, ils ont des aumônes, mais dans le comportement, ils sont en retard. Et parmi les meilleures œuvres, le bon comportement. L'étudiant, il ne lui convient pas d'avoir un mauvais comportement. L'étudiant, il convient qu'il soit bien, bien éduqué. Il ne convient pas qu'il maudisse les autres. Il ne convient pas qu'il dise de mauvaises paroles il lui convient d'avoir un bon comportement la poitrine sereine heureux épanoui le visage souriant le visage souriant jusqu'à ce que les gens acceptent de lui et l'agréent je pense que certes il n'est pas un secret pour vous que si se réunissaient deux hommes de même niveau, écoutez bien ce que nous dit Cheikh al -Uthaymin. et assimilez bien, méditez bien sur cette parole et vous allez comprendre beaucoup de choses. Il n'est pas un secret pour vous que si se réunissaient deux hommes de même niveau, dans la science, l'un d'eux avec un bon comportement, Doux, gentil, la poitrine égayée et un visage ouvert, souriant. Et l'autre, le contraire. Le deuxième, c'est tout le contraire. Sheikha al-Thaymin nous dit lequel des deux est plus profitable pour les gens. Je euh, répète, le premier qui a un bon comportement visage souriant épanoui etc et un deuxième qui a un mauvais comportement qui est tout le contraire et ils ont le même niveau de science et chiral le samin nous dit et même le deuxième a plus de science même si le deuxième il a plus de science chiral le nous dit lequel des deux est plus profitable pour les gens la réponse, le premier sans aucun doute. Le premier, c'est-à-dire celui qui a le meilleur comportement. Avec le fait qu'ils sont au même niveau et même le deuxième a plus de science. Mais la science a un rôle par rapport au profit pour les gens de la science de l'étudiant en science. Alors il nous est obligatoire, ô oh, mes frères, que nous ne disions pas nous nous sommes d'Afrique, nous nous sommes du confin de l'Asie, nous nous sommes d'Europe, nous nous sommes de la péninsule arabique, et que tout peuple a son comportement. Non, nous dit Shikhalo al Les musulmans, leur comportement n'est qu'un, n'est qu'un, il ne fait qu'un, un seul comportement. Tu n'outrepasses pas ce qui est dans le kitab wa sunnah du prophète, wassalam, et le livre d'Allah, la sunnah du prophète, et le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. disait, le prêcheur ne doit pas seulement être un enseignant, il ne doit pas seulement être un enseignant il doit être également un éducateur. alors ça, ça fait toute la différence. ça, ça fait toute la différence. pourquoi? parce que des prêcheurs, des prêcheurs, ça manque pas. On n'en manque pas, comme vous pouvez le constater, comme vous le savez. Nous ne sommes pas en pénurie de prêcheurs. Mais aujourd'hui, au moment où on a le plus besoin d'éducateurs, nous sommes en pénurie d'éducateurs. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'éducateurs mais ils se font rares. Les enseignants ne manquent pas, mais ce n'est pas ce dont nous avons le plus besoin. Nous avons besoin d'enseignants, oui, mais qui sont en même temps des éducateurs. Voilà ce que nous dit Sheikh Al-Oyfaimine. Il disait, le prêcheur ne doit pas seulement être un enseignant, il doit être également un éducateur. La preuve avec tous les enseignants, les prêcheurs que nous avons. La fitna et la division et le mauvais comportement nous ont rattrapés. Comment cela se fait-il Comme le dit Sheikh al il faut des enseignants éducateurs, des gens avec de la science. Des gens avec uniquement de la science, du ilm. Juste des montagnes de science, ce n'est pas suffisant. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, vers la fin de l'ouvrage que nous avons entre les mains ici, il dit, page 37, « Il faut que nous profitions de ces centres d'été » et de la présence des jeunes pour les entraîner au bon comportement. Pour que ces centres soient des centres d'apprentissage et d'éducation. Parce que la science sans l'éducation, il se peut que son mal soit plus grand que son profit. Écoutez, SubhanAllah. Parce que la science sans l'éducation, il se peut que son mal soit plus grand que son profit. Tandis qu'avec l'éducation, le bon comportement, la science mène vers le but recherché. Alors, aujourd'hui, on n'apprend pas le bon comportement, on ne nous apprend pas le comportement, bien au contraire, aujourd'hui, on nous apprend le mauvais comportement, on nous éduque sur le mauvais comportement. De telle sorte que quand on nage en plein dedans, que ce soit en critiquant les savants ou en les dénigrant, ainsi que le fait de diviser la Jamaha, ce qui est contraire au fondement du Kitab Sunna, quand on nage en plein dedans, ça devient normal. On s'en rend même plus compte tellement on connaît que ça. Voilà le virus aujourd'hui. Voilà le virus le plus dangereux aujourd'hui. Et attention de ne pas se faire distraire par ces choses-là. Attention. Donc insha'Allah, ça al-qadr. Aujourd'hui, nous allons nous contenter de cela. Et dans les prochains cours, nous entrerons directement dans l'ouvrage de notre cheikh Cheikh al uthaymin Rahimahullah, intitulé Makarimul Akhlaq. Makarimul Akhlaq. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفروك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.